Donc là, ce sont des tas verts. Ils ont envoyé quoi d'autre? Des gaz lacrymogènes, des matraques électriques, des boucliers anti-émeutes. Oh, ça va, même. Comment on va faire pour tuer les gens avec tout ça? Ce sont des armes sécuritaires, destinées à maintenir l'ordre. Donc aujourd'hui, on maintient l'ordre sans tuer. Maintenant, Yaya, tu es sûr de toi? Il faut tirer à quelle distance? Entre 1 et 2 mètres, mon capitaine. Toi? Qui, moi? Non, toi. Moi, je suis le président. Vous savez, je suis un petit peu cardiaque. Puis alors, je fais aussi des petites crises d'épilepsie. On vient de te dire que c'est inoffensif. Tu es breton, n'est-ce pas? Une ethnie fière! Ne commence pas à faire ton cara-cara. Tiens. Tire-lui dessus. Attendez, monsieur le président, moi je viens pas du tout d'une ethnie fière. Mon père est du Limousin. Monsieur Didier, si nous voulons amener les spies au village de Caïdou, il faut bien que nous testions nos armes sécuritaires. Oui, 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 mais je fais des crises cardiaques. Des alertes. Et il est tombé comme du n'importe quoi. On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes, quoi. Vraiment la tête. Mais ça, c'est quelle odeur? Ça sent mal! Mais ça sent le caca. Ah oui, c'est ça, voilà, ça sent caca. Le taser entraîne une paralysie musculaire. Il arrive que la victime se soulage immédiatement. C'est ça que la France m'envoie pour me protéger? Une arme qui fait faire caca? Rendez-moi mon histoire de taser, là! On donnera ça à l'hôpital pour soigner la constipation. Le Botswanga doit poursuivre